Dans cette vidéo, je vais vivre de la naissance à la mort de Catnap à l'intérieur de Roblox Brookhaven. Actuellement, je viens de naître dans un petit hôpital de Roblox Brookhaven et dans cette vidéo, je vais vivre jusqu'à la mort de Catnap qui appartient à Poppy Playtime chapitre 3 dans Brookhaven. Et vraiment, reste bien jusqu'à la fin parce que tu n'es vraiment pas prêt, mais juste avant. Et si tu ne likes pas et que tu ne t'abonnes pas dans les 5 prochaines secondes, tu vas perdre tous tes Robux sur Roblox quand tu te connecteras. Alors abonne-toi si tu veux avoir plein de Robux. Donc franchement à ta place je m'abonnerai. Et visiblement je viens de naître à l'intérieur d'un hôpital de Brookhaven, juste en face de l'école, juste à côté, juste là-bas. Et j'ai ma maman qui est juste ici à côté de moi. Visiblement ça a l'air d'être ma maman. Ouais, vu que je viens de naître juste ici, on va voir qu'est-ce qu'elle va me dire. Elle m'a dit quoi? Oh, c'est toi mon enfant. Ouais, donc c'est bien ma maman, ok, je confirme. Et pourquoi ma maman n'est pas une peluche comme moi? C'est très bizarre. Moi, je suis censé être un petit enfant totalement normal. Et là, je suis un Catnap, il y a totalement un problème, là. C'est pas normal du tout. Elle m'a dit quoi? Pourquoi tu es comme ça? Bah, je sais pas du tout, ma maman. Écoute, franchement, j'en sais rien du tout. Juste, je suis né et je suis devenu une peluche comme ça. C'est vraiment beaucoup trop bizarre, honnêtement. Mais bon, j'espère que tu m'apprécieras quand même. Hein. Et elle m'a dit quoi? La maman, t'es moche, personne ne t'aime. Ah mais c'est vraiment pas cool ça, moi je suis juste un petit enfant qui vient de naître. Et elle me dit directement, la maman t'es moche, personne ne t'aime. Mais elle est sérieuse celle-là? Franchement c'est pas cool du tout, hein. Enfin, je le prends hyper mal. Moi je suis qu'un pauvre petit Catnap qui vient de naître et toi tu me dis ça. Et elle m'a dit quoi? Tu pourrais être dangereux, c'est hors de question que je te ramène à la maison. Mais quoi? Les gars, comment ça je pourrais être dangereux? Je suis qu'un petit nounours, tout, enfin un petit nounours, un petit chat plutôt, tout sympathique, tout violet comme ça. Je vois pas que comment je pourrais être agressif. Moi, comment ça je pourrais être dangereux, les gars? Elle est bizarre cette maman. Je suis vraiment le contraire de dangereux. Je suis tout mignon moi. T'es sûr que tu te trompes pas un peu de personne, toi, madame là? Parce que surtout, elle veut pas me ramener à sa maison. Elle m'a dit, alors que bah franchement, c'est hyper méchant quoi. Moi, je veux pas rester ici. Attends, tu veux que je reste ici, toi? Et elle m'a dit quoi? Tu vas rester ici? Je te ramène pas, hein? Comment ça, elle me ramène pas? Elle est sérieuse celle-là? Mais je veux venir moi, enfin t'es ma maman quand même. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Les gars, elle est en train de partir, attends, attends. Non, elle part sans moi. Les gars, elle est totalement en train de partir de l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, non, prends-moi avec toi, là. Ne pars pas sans moi, s'il te plaît. Maman dans Brookhaven, là. Ma maman Catnap, prends-moi avec toi. Enfin, j'ai pas envie de partir tout seul. Et elle m'a dit quoi? Tu vas rester ici tant que tu seras pas normal. Mais en quoi je suis pas normal, les gars? Enfin, c'est bien d'être différent. C'est pas mauvais. Comment ça? Tant que je suis pas normal, je dois rester ici. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est franchement pas cool, ça. C'est bien d'être différent, au contraire. Et attends, mais elle a pris sa voiture. Elle va partir sans moi. Non, elle est en train de partir, les gars, mais qu'est-ce que je fais? Elle est en train de partir totalement sans moi avec sa voiture. Et là, elle m'a totalement abandonné. Regardez, elle est en train de partir avec sa voiture sans moi. Mais attendez, mais c'est hors de question que je reste ici. Moi, je vais faire quoi tout seul? Les gars, ma maman m'a déjà abandonné à la naissance. Qu'est-ce que je vais faire ici? Enfin, franchement, c'est trop nul. Va bien falloir que je trouve quelque part où dormir, moi. Mais d'abord, je vais devoir aller à l'école parce que là, je suis qu'un enfant. Et bon, un enfant, ça doit quand même aller à l'école. Et wow, ah ouais, j'ai bien grandi quand même là. Ok, d'accord. Bah, j'ai l'impression que je viens de grandir pas mal. Visiblement, je suis passé au stade de enfant. Je suis plus du tout un petit bébé là. Moi, maintenant, je suis un vrai enfant et je vais pouvoir aller à l'école de Brookhaven. Ça, c'est plutôt cool. Je vais pouvoir me faire des amis et tout, et oublier la meuf là qui a pas voulu m'emmener avec elle, qui est partie là-bas toute seule, qui voulait pas de moi. En plus, je comprends vraiment pas pourquoi elle voulait pas de moi. Regardez, elle avait une giga grande maison juste là-bas, là. Sa maison, franchement, était plutôt sympathique, et elle a pas voulu me ramener avec elle. Comme quoi, je serais dangereux. Les gars, j'ai vraiment rien de dangereux, franchement, je suis un petit chat tout mignon. Bon, en tout cas, faut que j'essaie d'aller me faire des amis à l'école de Brookhaven. Et visiblement, il y a ce gars juste ici. Ça m'a l'air d'être un bacon. Je vais essayer de sympathiser un peu avec lui. Il y a moyen qu'on devienne de bons amis, lui et moi. Salut le bacon, ça va ou pas? Il m'a dit quoi? Oui, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah, moi, je suis juste un petit Catnap qui est abandonné. Donc, bah, écoute, je vais à l'école. Et t'es pas un peu grand pour être un écolier, toi? Il m'a dit quoi? J'ai beaucoup redoublé. Ah, bah, ça se voit quand même. T'es beaucoup plus grand que moi, là, qui est censé avoir le même âge et être à l'école. Mais bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, je te laisse. Je vais aller un cours de sport là. Franchement, le cours de sport, tu sais où est le gymnase quand même là? Parce que je vais devoir aller en cours de sport en tant que Catnap. Et bon, ça va être mon premier cours de toute ma vie là. Je sais pas trop quoi faire. Il m'a dit quoi? Oui, suis-moi. Ah, en tout cas, il m'a l'air d'être plutôt sympathique. C'est plutôt cool. Et il a l'air de m'emmener à son cours de sport. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais directement le suivre. Et on va voir où est-ce qu'il est parti. Et il est parti juste ici. Il est parti devant la salle de gym. Ok. Il m'a dit quoi? Je t'attends ici. Bon match. Et bah merci beaucoup à toi, franchement, Bacon. J'espère passer un bon match grâce à lui. Franchement, enfin quelqu'un d'un peu sympathique avec un Catnap comme moi, où personne n'était sympathique avec moi. Ça fait du bien, on va pas se mentir. Et bon, du coup, visiblement, mon premier cours de sport, ça va être du football. Donc le football, je crois, c'est en dehors, puisque là, c'est du basket. Et bon, je dois pas faire de basket, visiblement, il y a personne au basket. Et bon, du coup, on va directement se rendre à mon cours de football. Et visiblement, il y a l'air d'avoir des gens, puisque apparemment, juste ici, il y a mon entraîneur
scanner en rouge. Et juste à côté, je sais pas trop qui c'est. Visiblement, il a l'air de suivre les consignes du gars en face, donc je vais aller écouter aussi. On va voir un peu qu'est-ce que ce cours vaut. On va voir, ils font un cours de quoi même là. Aujourd'hui, c'est foot. Ah ouais, c'est plutôt cool ça. Let's go. On va faire du foot pour ma première séance de sport en tant que catnap à l'école. Franchement, ça c'est plutôt cool. Pour l'instant, tout commençait mal, mais en fait, les gens sont peut-être pas si mauvais que je pensais. Ça c'est plutôt cool. Et il m'a dit quoi, chef, c'est qui le nouveau violet? Moi, bah, je suis un tout nouveau écolier, mais comment ça le nouveau violet? Il a pas l'air trop m'apprécier visiblement. Il m'a dit quoi? Il est bizarre, lui, qu'est-ce que tu fais là? Je suis nouveau à l'école, là, honnêtement, donc bon, enfin, qu'est-ce que je fais là, c'est-à-dire? Franchement, je suis un peu différent, c'est vrai, mais moi, je suis né comme ça, donc franchement, ça me va très bien, honnêtement. Et puis, comme on dit, de toute façon, vaut mieux être différent que comme tout le monde, non? Enfin, honnêtement, je me trouve pas si horrible que ça, je suis un petit château mignon. Et il m'a dit quoi? Brandon réduit le nouveau en bouillie? Attends, mais c'est lui Brandon, mais quoi? Mais c'est giga méchant, c'est quoi ce prof de sport? Vraiment pas cool. Les gars, il veut me réduire en bouillie carrément. Il m'apprécie pas du tout. Il a dit quoi? Vous allez faire un tir au but. Ah ça, tir au but, je connais par contre, ça c'est plutôt cool. Ah bah en fait, il est peut-être pas si mauvais que ça. Le violet, tu vas au but. Ah ça, c'est moi visiblement. Ok, bah je suis le violet et je vais devoir aller au but, au tir au but. D'accord, bah ça va être plutôt cool. Je vais être gardien. Ça c'est un poste que j'aime bien, gardien ça. Et bon, visiblement, il y a le gars, il vient me parler. Bah ça va toi? Il m'a dit quoi? Si je marque, tu vas passer un sale quart d'heure. Mais quoi? Mais les gars, il est en train de dire qu'il est en train de me faire des menaces là. Il est en train de me dire que je vais passer un sale quart d'heure si il marque. Mais il est sérieux lui. Il est vraiment pas cool. Il me fait beaucoup trop peur honnêtement. De toute façon, il marquera pas. Moi je suis un bon joueur. Et puis bon, par contre, pourquoi il me menace comme ça? Ça fait plutôt peur. Et qu'est-ce qu'il fait? Ok, il va chercher une balle de foot, d'accord. Bon, j'espère juste qu'il va pas marquer quand même. Parce que s'il marque, ce sera plutôt embêtant. Et visiblement, il est parti se placer pour tirer. Ok, il est paré à tirer. J'espère juste que par contre, l'arbitre il va bien surveiller là au moins. Parce que s'il triche, le gars, ça va pas aller là. Déjà qu'il me menace, s'il se met à tricher, ça va pas aller. Ah, l'arbitre fait un compte à rebours. 3, 2, 1. Ok, et go, d'accord, bah le gars il va tirer visiblement. Bon, faut que je me prépare à arrêter, et ok, il est en train visiblement d'essayer de charger, et boum, il tire. Oh bah il s'est pas tiré, oh le nul. Et attendez, mais il a tiré, et il a tiré à côté. Ah bah voilà, ça compte pas là, elle est clairement en dehors. Il m'a dit quoi, t'as eu de la chance? Bah c'est pas de la chance, c'est juste toi qui es trop nul, hein. Franchement, il y a 0% de chance là, c'est juste toi qui a été vraiment mauvais, t'as tiré à côté là, enfin t'as même pas tiré dans les buts. Il a dit quoi, c'est à cause du vent, à refaire quoi? Il a dit, il y a gêne. Mais il est sérieux celui-là? Comment ça il y a gêne? Le vent il a pas gêné du tout, enfin t'as bien vu qu'il a tiré à côté juste. Il a dit conteste pas ou je te tabasse. Ok ok, bon je vais pas contester, visiblement il m'a l'air un peu fou celui-là. On va pas contester ce qu'il dit, hein. Déjà qu'il m'a pas l'air très net. Si je me l'ai contesté en plus, ça va pas trop aller. Et attendez, mais le gars il retire, mais il retire de trop près là, je vais totalement me prendre un but. C'est impossible que je l'arrête. Et il a tiré, et hop là, je l'ai arrêté. Ah voilà! C'est bon, là je l'ai arrêté, tu peux rien dire franchement. Mais du quoi, t'as triché le chat? Hein? Personne ne bat Brandon, quoi? Mais comment ça j'ai triché? Mais il est complètement fou celui-là. J'ai pas triché du tout, comment ça personne ne bat Brandon? C'est quoi cette règle de débile là? J'ai pas triché du tout. Enfin, tu viens d'inventer cette règle, elle a jamais existé honnêtement. Il a dit quoi? On n'aime pas les tricheurs nous, mais quoi? Mais les gars ils sont sérieux ceux-là? Mais j'ai pas triché, enfin dis-lui. Et aïe, 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 qu'est-ce qu'ils font? Les gars ils sont en train de me frapper là, aïe. Les gars ça fait beaucoup trop mal. Mais ils sont sérieux, mais pourquoi ils me frappent pour ça? Ah, oh ça fait mal. Aïe, aïe, arrêtez les gars. Aïe les gars, mais non, mais ça fait trop mal là. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils font? Ah ils sont enfin arrêtés, mais oh là là, zut les gars, oh ça fait vraiment hyper mal. Il m'a dit quoi? Ça m'apprendra, ça t'apprendra tricheur, mais quoi? Mais j'ai pas triché. Oh là là, ils sont vraiment trop méchants. Et qu'est-ce qu'ils font? Visiblement, ils partent, j'ai l'impression. Ouais, ils sont en train de partir. Oh là là, les gars sont vraiment trop méchants avec moi. C'est vraiment pas cool du tout. Moi qui pensais que c'était sympathique, bah en fait, dans cette école, ils sont pas du tout sympathiques. Oh là là, en plus, tout le monde est parti. Je me retrouve tout seul, moi, comme ça, sur le terrain de foot, comme un débile. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je sais pas du tout, là, franchement. Je suis désespéré. Là, j'ai l'impression que personne ne m'apprécie et tout. Et attendez, mais c'est Bacon! C'est Bacon que j'ai vu tout à l'heure. C'est Bacon que j'ai vu tout à l'heure. C'est le seul qui était un peu gentil avec moi ici. Mais bon, visiblement, il doit être comme les autres en fait. Au début, j'ai dû penser qu'il était gentil alors qu'il l'est pas du tout. Il m'a dit quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé toi? Bah, c'est-à-dire que j'ai voulu aller à l'école ici et me faire des amis. Sauf que, bah, visiblement, au cours de sport, ils sont pas tous trop sympathiques. Et apparemment, vu que j'ai été trop bon contre eux, enfin, ils ont dit que j'ai triché. Vu que j'ai été bon contre eux. Et bah, du coup, bah, voilà où j'en suis là actuellement. Je suis un pauvre catnap totalement à terre, là, désespéré. Je sais pas quoi faire honnêtement. Il m'a dit quoi? C'est vraiment trop méchant. Bah oui de fou. Enfin franchement honnêtement c'est pas cool du tout ça. Je le prends vraiment hyper mal perso. Il m'a dit quoi? Tu veux venir chez moi plutôt? Oh bah carrément. Moi j'ai plus du tout de famille là. Donc honnêtement si je pouvais venir chez quelqu'un, ce serait avec plaisir. Il m'a dit on va te traiter comme notre frère, t'inquiète. Oh là là les gars, let's go. J'ai réussi à me retrouver un nouveau frère. Ça c'est plutôt cool. Oh là là, ça c'est super. Je vais enfin pouvoir avoir un vrai frère et un vrai chez moi où vivre. Et oh là là mec, ta maison est beaucoup trop cool. Franchement j'adore. Moi j'ai jamais une maison comme
comme ça, donc franchement, c'est beaucoup trop incroyable, Bacon, ta maison. Oh là là, c'est beaucoup trop bien, mais est-ce que tu penses que je peux rester dormir là? Parce que, bah, je vais pas te mentir, j'ai pas vraiment un endroit où aller dormir, moi, donc c'est un petit peu difficile. Et bon, si tu avais quelque part où dormir pour moi, même je sais pas, par terre ou quoi, si t'avais un petit matelas, mais n'importe quoi, ça m'irait perso. Il m'a dit quoi? Bien sûr, tu peux rester, aucun souci. Oh là là, let's go! Les gars, il est ok pour que je reste dormir chez lui. Ça, c'est plutôt cool, parce que depuis le début, visiblement, j'ai pas trop d'endroit où dormir. Et bon, honnêtement, je vais pas vous mentir que dormir dehors, ça me tentait pas trop l'idée. Bon, en tout cas, c'est plutôt cool, ça. Franchement, c'est une bonne nouvelle incroyable. Elle dit quoi? Juste avant, je dois aller voir mes parents. Mais y'a aucun souci, là, va voir tes parents. Ça me dérange pas du tout. Moi, franchement, du moment que je peux rester dormir ici, ça me va totalement. Moi, je suis pour l'idée. Ça fait tellement du bien d'avoir enfin un matelas où dormir et tout. Enfin, franchement, ça, c'est plutôt cool. C'est tellement agréable et tout. Et par contre, bah, j'ai l'impression qu'il est un peu long, le gars, à parler à ses parents. Il y a peut-être une embrouille. Faut peut-être que j'aille vérifier ce qu'ils se disent, moi. Parce que bon, s'ils se disent n'importe quoi sur moi, c'est peut-être pas une bonne idée. Faut peut-être que j'aille l'aider. Ça se trouve, il a du mal à convaincre son papa que je peux venir. Et bon, je dois juste aller un peu négocier avec lui. Hop là, ils sont juste là. Attends, je vais aller me cacher un petit peu et on va voir un peu ce qu'ils se disent. Il a dit quoi? Fils, on ne peut pas l'accueillir. Il pourrait être dangereux. Mais quoi? Mais j'ai rien de dangereux, moi. Comment ça, je pourrais être dangereux? Oh non, mais je suis vraiment tout sauf dangereux, quoi. C'est vraiment pas cool du tout. Oh là 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 là, mais j'ai envie d'aller ici, moi. Il a dit quoi? C'est vrai, désolé. Oh non, oh là là, les gars, ça me fait beaucoup trop de peine. Oh non, je vais pas pouvoir être chez lui parce que visiblement il considère que je suis trop dangereux. Et ma maman de tout à l'heure, elle considérait déjà que j'étais trop dangereux. Et c'est pour ça qu'elle m'avait laissé tomber. Donc en fait, tout le monde me considère comme trop dangereux. C'est beaucoup trop triste. Et oula, le Bacon, par contre, il retourne à l'étage voir où j'en suis. Faut peut-être que je retourne discrètement. Hop là, on va retourner discrètement sans trop qu'il me voit derrière lui. Et salut Bacon. Il m'a dit quoi? Oh, tu es là. Ouais, je suis là. Il m'a dit quoi? Je dois te dire un truc. Oui, bah je crois que je sais déjà. T'en fais pas, t'as pas besoin de me le dire. Hein. Je suis déjà au courant, malheureusement. Ouais, bon, franchement, j'ai déjà entendu. Il m'a dit quoi? Ah mince, donc tu sais que tu dois partir. Bah oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, quoi. J'ai cru comprendre que je pourrais pas rester parce que bah j'étais trop dangereux, ouais. Enfin, c'est pas très cool, mais bon, c'est la vie, disons. Il m'a dit quoi? Je suis désolé, mais tu dois y aller. Bon, y a pas de souci, t'en fais pas. Hein. C'est pas ta faute, disons. C'est pas ta faute. Bon, bah moi je vais y aller du coup. Allez, oh là 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 là, les gars, je suis beaucoup trop triste. Ils m'ont encore dégagé de la maison. Je n'aurai définitivement pas de maison. Et attendez, mais qu'est-ce que c'est ça juste en face? Il y a une grande tour. Qu'est-ce que c'est que cette grande tour? Je vais essayer d'aller voir à l'intérieur. Il y a forcément quelque chose d'intéressant ici. Je suis sûr que cette grande tour, elle peut être plutôt utile. On va voir qu'est-ce qui se cache un peu. Donc juste là, il y a un ascenseur. On va essayer d'utiliser l'ascenseur peut-être pour monter à l'étage. On va voir, mais qu'est-ce qui se cache dans cette grande tour? Je suis sûr qu'il y a quelque chose d'assez intéressant ici. Il doit forcément y avoir quelqu'un qui y vit ou quoi. En tout cas, je peux pas ouvrir leur porte, d'accord. Bon, bah si je peux pas ouvrir leur porte, va falloir la défoncer. Hop là, on va aller se prendre une petite hache et on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Hop là, on s'équipe la hache. Et bon, attention, on va défoncer cette porte. Hop là, allez, ouvre-toi. Faut que j'ouvre la porte pour voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur là. Hop là, on casse. On casse, allez, et hop là, c'est bon, je l'ai cassé. Oh là, magnifique, j'ai réussi à ouvrir la porte. Non, ça c'est plutôt cool. Et oh là 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 là, les gars, c'est une vraie fusée. Il y a plein de boutons et tout partout. Il y a un simulateur de vol. Oh non, c'est beaucoup trop incroyable, les gars. C'est vraiment mieux que ce que je l'imaginais, cet endroit. Il y a des boutons partout, allumage et tout. Non, franchement, c'est beaucoup trop incroyable. Les gars, franchement, je suis refait, mais... Et pourquoi il n'y a personne dans cet endroit? C'est bizarre parce que c'est quand même un endroit très sympathique. Il y a des boutons partout et tout. Et bon, moi, je vais essayer d'aller voir peut-être ce qu'il y a en bas. Vu que visiblement, là, ici, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Enfin, il y a quand même pas mal de choses, c'est vrai, mais bon, ça m'a l'air d'être plutôt simpliste. On va essayer de descendre un peu ce qu'il y a juste ici. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce qu'il y a juste ici? Il y a des espèces de trucs tout verts. Un peu partout autour de moi. Et ça m'a l'air... Oula, et là, il y a de la fumée qui sort. C'est... doit faire très chaud puisqu'il y a beaucoup de fumée qui sort des ventilations. Et je sais si il y a sommeil séro ou médical. D'accord. Les gars, c'est vraiment beaucoup trop bizarre. En tout cas, visiblement, il y a marqué sommeil ici. Donc, je vais pouvoir dormir. Je vais essayer de passer une nuit ici et on va voir ce qui va se passer demain matin. Oh, c'est bizarre, mais je me sens tout bizarre là pour cette nuit. Il doit y avoir un truc chelou dans ce truc. Bon bah c'est pas grave, on verra demain matin. Et wow, qu'est-ce qui s'est passé? Ah franchement, je me suis bien reposé, là c'est plutôt cool. Bon, je vais aller voir, est-ce qu'il y a pas un petit truc à manger en bas? Et ah, juste là il y a un frigo, c'est parfait. Je vais pouvoir me manger un petit truc, mais c'est bizarre, je me sens un peu comme transformé, c'est très bizarre. Bon, c'est pas grave, c'est franchement, du moins que j'ai de la nourriture et que tout va bien, c'est plutôt cool. Hop là, on va manger, on mange, miam. Ah, c'est plutôt bon, franchement. Ça, c'est un magnifique petit déjeuner, j'adore. Et il y a une petite banane en plus. Oh là, bah, je vais me prendre la banane au petit déjeuner aussi, franchement, c'est parfait. Trop incroyable, ça. Oh là, c'est beaucoup trop cool.
Bon, je me sens quand même un peu mal pour la famille qui m'a dégagé hier. Je vais retourner un peu les voir là, parce que franchement, je me sens un peu mal de les avoir laissés comme ça. J'ai même pas dit au revoir au papa. Je suis juste parti quand ils m'ont dit que je devais partir. Hop là, donc on va retourner voir. Ils étaient juste en face de la rue. Oh, ils sont juste ici, c'est parfait. On va retourner voir un peu ce que la famille devient. Et bon, je vais leur remercier au moins déjà de m'avoir accueilli un peu chez eux, parce que c'est les personnes qui ont été les plus gentilles avec moi. Même s'ils m'ont fait sortir au final, bah c'est pas grave, franchement, ils ont déjà été un peu gentils avec moi. C'est déjà mieux que toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce qu'ils font? J'ai l'impression qu'ils sont en train de se disputer là, les deux. Le gars, il dit non de la tête en boucle. Il a dit quoi, le père? T'es sérieux? T'es vraiment trop nul. Hein, mais pourquoi il lui dit ça? Tu ramènes que des problèmes, mais il est vraiment trop méchant ce père avec son enfant. Il est sérieux. L'enfant, il dit quoi? Désolé, je voulais pas. Bah oui, franchement, le pauvre, c'est vraiment pas cool ce que le père lui dit. C'est vraiment beaucoup trop méchant. Le père, il est en train de l'embrouiller et tout pour comme quoi il a fait des choses mal et tout, alors que bah il m'avait juste accueilli, quoi. Enfin, ça part d'une bonne intention. C'est un bon gars, ce type. Enfin, il est pas méchant, honnêtement. Et wow, qu'est-ce qu'il se met à faire? J'ai l'impression que le papa, il se met à frapper l'autre, quoi. Mais c'est vraiment pas cool. Attends, mais sérieux? Oh non, et il l'a fait tomber, mais quoi? Mais les gars, il est vraiment en train de le frapper de fou, là. Mais c'est franchement pas cool du tout. Oh là, faut que j'intervienne, là. Moi, voir ça, ça me met en rage, perso. Enfin, franchement, je peux pas rester à observer ça sans rien faire, là. C'est beaucoup trop horrible, ce qui est en train de se passer. Allez. Et, oh, je sais pas pourquoi je me sens tout bizarre là. Waouh. Oh punaise. Eh, toi là, arrête là. Encore toi. Il est sérieux le père à m'avoir dit encore toi? Bah alors là, il va regretter de m'avoir dit ça. Franchement, à la une, à la deux et à la trois. Et attendez, mais pourquoi ça a rien fait? Attends, les gars, vraiment, abonne-toi si tu veux que je puisse me venger le gars qui vient de se faire tabasser par son papa là. Parce que là, visiblement, j'ai l'impression que mon pouvoir ne fait rien sinon. T'es prêt? Vas-y, abonne-toi en moins de 2 secondes. 1 et 2, ok. Wow, tu t'es abonné, je sens plein de pouvoir rentrer en moi là. Et toi là, tu vas regretter ce que tu viens de faire. Et voilà ce que tu mérites, hop là. Voilà, là, 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 par contre, oula, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai l'impression que je viens de les mettre à terre. Bon bah, je crois que finalement j'étais peut-être un peu un monstre, ils avaient pas totalement tort. Je me sens vraiment changé maintenant, je me sens beaucoup plus mauvais qu'avant, c'est vraiment beaucoup trop horrible, j'aurais jamais dû faire ça. Oh là là, je me sens franchement hyper mal, faut vite que je parte là, oh, je me sens trop mal. Oh là là les gars, je me sens vraiment beaucoup trop mal de ce que je viens de faire là, j'ai vraiment été hyper méchant avec ce gars. Faut vraiment que j'arrive à me rattraper là. Bon moi je vais aller ici à l'épicerie, je vais aller me prendre un petit truc à boire. Et bon franchement c'est beaucoup trop triste ce qui m'est arrivé là. Je vais me prendre cette boisson là juste ici. Et bon franchement j'espère que ça va aller mieux là, parce que oh là là, je me sens vraiment hyper mal pour ce que je viens de faire. Allez, on va boire la boisson. Je me sens tout bizarre, je sais pas pourquoi. Wow, oh. Les gars, je suis enfin libéré, let's go. Je suis plus du tout un catnap magnifique. Oh là là, c'est beaucoup trop bien. Franchement là, je suis redevenu totalement normal et tout. Oh, c'est beaucoup trop cool. Sur ce, n'hésite pas à liker et à t'abonner et à rejoindre mon groupe Roblox. J'ajoute tous un ami qui sont abonnés, qui rejoignent mon groupe Roblox et qui mettent leur pseudo en commentaire.